Ok. Let's go! Bon, on est là pour la grande finale. Ça va être compliqué, hein. Parce qu'on a un grand challenger en face de nous, aka Actuan. Résumé des points. Et même moi, je suis perdu, je crois. Qu'Actuan est à 4, que je suis à 2, et que l'Inca est toujours à moins 4. Vous êtes confiant au niveau de la JD, genre sans troll ou pas? Non, franchement, non. Moi, ce que je pense, c'est que sur un malentendu, je peux peut-être gagner. Je vous dis mon score. Vas-y. J'ai 10884. Non. T'as combien, Théo? J'ai 8401. Oui, je te demande, t'as combien? 1928. Oh le bâtard! Bon bah Thomas a gagné là, c'est sûr et certain. Attends mais Thomas, comment ça t'as rien fait dans ta maison? Bah non mais je pensais qu'Arnaud avait dit qu'il avait fait un truc carré, qu'il m'avait battu. Moi j'ai fait la maison mais je l'ai fait vraiment la va-vite pendant 5 minutes. Moi j'ai mis que des trucs de fossiles et de poissons dans ma maison quasiment. Ah ouais, non moi j'ai un peu agencé, hein. Bon par contre Arnaud il a définitivement disparu. Il pensait y avoir une chance. Il s'est dit c'est bon, je vais faire une remontada, hop, terminé. C'est trop injuste. En fait ce qui est encore plus dur, c'est que en plus c'est celui qui a déjà le plus de points qui gagne. Bon bah moi c'est l'heure de Warzone, hein. Non. Il y a encore plein de choses gars, à faire. Ça ne sert à rien genre. Statistiquement tu dois pouvoir remonter encore, hein. Non c'est fini. 2 points pour le musée avec les poissons, 2 points pour les insectes. Concours de beauté, on peut mettre 2 points, allez. Je propose qu'on fasse quasiment tout. Genre on se rejoint dans 2 heures en gros. Et on fait tout le reste, non? Allez. Et bah allez. On bat les couilles moi. Ok. Arrête. Ah j'ai de la peine pour le petit Arnaud, vraiment. Oh, on a la roi clochette, est-ce que j'avais oublié ça? Ça met bien, ça marche. Bien. Hop les. On va essayer de faire le prêt pour agrandir la maison à 198 000 là. Là je suis à 133 000 clochettes. Avec tout ce que je viens là, plus le rocher à clochettes qui va me rapporter un peu plus de 10 000. Y'a peut-être moyen que ça passe, hein. Je revends. Ça. Ça fait combien? 35 000. On est à 170 000. C'est bon, je ramasse mes 2 derniers fossiles et je fais le rocher et ça passe. Plus qu'un. Le dernier il est par où? Faut pas que je le rate. Théo? Oui. Est-ce que tu es à ton distributeur à clochettes? Non, pourquoi? En train de rembourser ton prêt? Non. Ok, moi je suis en train de le faire, donc ça veut dire que j'ai gagné. T'as tes 198 000 clochettes? Ah, oui. Les 198 000 là? Oh non! Non. J'allais vendre mes fossiles et c'était bon. Ah oui, on était tous sur le fil. Oh putain, fais chier. Ah ouais, j'étais en train de rush, non. Ah, fais chier sa mère. Ah, let's go, j'ai remboursé mon prêt. J'étais très exactement à 180 000 clochettes. Je revendais mes 2 fossiles, avec un peu de chance, ça passait. Ah, j'ai revendu tout ce qu'il y avait dans ma maison, tous les meubles, tout. Ah, fais chier. Oh, ton Ah mais Actuan il a 7 points, je viens de tilter, il a gagné 3 points. Mes poissons. Et là je me concentre, je passe en mode tryhard. Je passe en mode enflure, attention les filles. Il me reste à pêcher le marlin que je peux pêcher sur le ponton. Donc je le pêche si je veux à tout prix avoir toute la collection. Et après ça va être les poissons de rivière. Je me suis fait piquer. C'est vrai? Oh du coup t'as perdu 1 point, let's go. Ça fait mal. On a beaucoup de choses à faire. On va aller faire de la plongée pour essayer de récupérer un max de choses. On est parti faire un peu de plongée. Donc vous m'avez dit là où il y a des bulles, je peux prendre. Ou des taches noires. Genre ici par exemple. Et l'idée c'est d'essayer de récupérer des trucs assez rares. Ça c'est quoi par exemple? Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est qui ça ce gars? Il y a mon oncle là qui vient de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Hey man, ton pétanque là, je peux l'avoir? Non. Pas de soucis man, les pétanques ça va, ça vient comme les 12 vagues de l'océan. Ciao man. Ouais, on n'a pas le temps, on a un musée à remplir là. Mais ça veut dire que là, si par le plus grand des hasards je gagne le musée pour les insectes et pour la pêche, chose que je ne crois que très peu, j'égalise avec Thomas. Il manque le marlin aussi dans la pêche. Les habitants de Thomas sont peut-être tristes. Je pense pas. En vrai, c'est chaud d'avoir un habitant qui se casse maintenant, je pense que c'est impossible. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé à Adolphe. Eh, il est trop chiant ce perso, sa mère. Pardon. Allez, on passe à autre chose. Puis c'est vraiment le perso qui est là pour se faire ban, c'est trop cool. Ouh, il fait chaud d'un coup là, qu'est-ce qui se passe dans le studio? Les gars, il y a aussi possibilité que je perde 3 points parce que je tombe sur l'un des pires persos, hein, on rappelle. Mais je suis d'accord avec vous, moi j'ai envie de tenter ma chance. J'ai une philosophie de vie qui est tentons la chance. C'est parti, on achète les tickets. Oh non, je sens que c'est une mauvaise idée. Allez, on croise les doigts. On veut Rosie, elle vaut 5 points. Je stresse. Allez, s'il vous plaît, juste Rosie et c'est le clutch ultime. Allez. Oh, c'est nul. Je sais même pas qui c'est, on est déçus, elle est moche, elle a des couleurs, ça ne va pas, elle est daltonienne de visage, ça n'a aucun sens. Comment tu es verte et violet en même temps à la fois? Tu es moche. J'ai fait que des îles mystères toute ma vie, j'arrive sur les îles, y'a que de la merde, y'a les mêmes fruits que sur mon île, y'a les mêmes fleurs, y'a les mêmes poissons, y'a les mêmes insectes. Je fais comment pour gagner moi? Elle est claquée, j'en ai plein le cul. Y'a rien de nouveau, y'a rien, je fais les mêmes îles. On va racheter un deuxième ticket directement, on rentre direct. Une chance sur 400 de tomber dessus. Impossible. Même moi quand je le dis, je me dis bah frère, qu'est-ce que j'espère? Allez s'il vous plaît Rosie, ça serait le meilleur moment. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et depuis tout petit. Moi j'appelle ça vide. Les gars, putain. C'est qui? C'est Rosie en ours, frère. J'ai jamais vu ce personnage, il a été créé à l'instant. Elle est rose kawaii comme Rosie, juste elle pue la merde, voilà. Eh, j'en ai trop marre, vas-y, j'ai jamais autant essayé de provoquer la chance, y'a rien qui se passe comme prévu. Et là, tu vas me dire, je vais prendre ce poisson. Maintenant que le concours de pêche il est fini, ça va être un poisson tarlé fou, c'est ça? Bon, c'est un bar commun. C'est encore pire. Non même pas ça, vas-y c'est bon, je me tais, rien ne va. Je sais plus quoi faire, je suis désespéré. Mais elle m'attend carrément, elle me dit au revoir. Je veux rentrer. Faut que j'aille faire de la plongée pour essayer d'aller récupérer les crabes. Je vais aller au nord parce que j'ai vu plusieurs personnes me dire au nord c'est mieux. Essayer de récupérer un max d'espèces. Et c'est tout, hein. Y a pas d'autre alternative. Et là on cherche les bulles quoi.
C'est ça ma vie. C'est plus chill d'un coup, il y a moins d'ambiance là, c'est. Depuis qu'on a eu Rosie version ours. Là, il y a deux roches, j'espère que c'est un crabe. J'aimerais bien un crabe sur les quatre qu'il faut que je chope, ça serait grave cool, une algue. Super. Ça fait beaucoup de bulles et ça va super vite. Ok, c'est une soda stream en gros ça. Je connais. Faut que j'ai des crabes. Vraiment, faut que j'ai des crabes. J'ai pas le choix, hein. J'aimerais bien voir un grand planeur là, me libérer d'un poids parce que c'est jusqu'à 19h. Ah oui, il y a aussi le rocher que je dois taper avec une pelle. Sur un malentendu, ça passe. Je vais prendre ma pelle rudimentaire, comme ça je suis sûr de pas casser le rocher. Bon. Hein. Bah fuck, hein. Attendez, mais pourquoi je les one shot? Je comprends pas. Ah putain, c'est avec les. Ah putain, c'est avec les fruits. Ah oui, c'est pour ça. Envie de mourir! Du coup, les rochers, il en reste deux, avec un peu de chance. Non. Oh, il est là. Ne pars pas. Let's go! Oh putain! Oh, heureusement que je me suis réveillé et que j'ai pas cassé tous mes rochers. Ok, parfait. Ok, bon, ça y est, j'ai un renouveau. Maintenant, il me manque le grand planeur. Il y a un grand planeur au-dessus, j'ai pas rêvé. Par pitié, descends. Je t'en supplie, descends, viens par là. Non, c'est une blague! S'il te plaît, mon ref. Oh le chien, putain c'est une blague, viens là, allez viens. Putain vas-y la bataille nulle. Viens. Let's go, le grand planeur, let's go. Oh je suis refait, oh putain je l'ai chopé au vol, pour de vrai. Le dernier qui nous reste c'est le psyché, en vrai c'est déjà pas mal hein. Bon je vais faire de la plongée pour avoir des crabes, c'est ma dernière chance. Oh il y a plein de bulles là, je sais pas si ça fait quelque chose, c'est près des rochers, c'est un crabe ça, je reconnais. Les gars, ça commence à me pomper le cul de faire de la plongée, je crois. Je préfère pêcher et tout, il y a un enjeu ou les insectes. Là c'est vraiment juste tu plonges. Oh ça va vite ça, ça va bien vite ça. C'est un truc que j'ai jamais eu. C'est quoi? Une pieuvre parapluie, ok. Ça on l'avait pas. Ouh, on souffle. Bon, vous voyez, ça sert à quelque chose quand même de s'acharner. On continue. Il nous faut toutes les espèces possibles qu'on peut choper en plongée, littéralement. Et si on veut gagner, c'est notre seule chance. Retenez ça. Le marlin, on le fera en dernier. Le poulpe m'a donné l'espoir. Ça va super vite aussi. Ah non, pas si vite. C'est quoi? Une huître perlière, j'avais pas non plus. Let's go, ça fait deux. C'est bon, deux espèces en plus. Allez, on perd pas espoir. On fait tout le tour de l'île en longeant les bordures. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Moi, j'ai tout ça. Let's go! Ah, let's go! Ouais, c'est gros, j'ai eu peur carrément. Vous savez quoi, on va tenter un truc. Je coupe du bois, je fais tous mes trucs pour avoir 2000 maïs nook. Je prends un ticket, je vais sur l'île. Avec de la chance, c'est le dernier ticket que je vais jouer. Et avec de la chance, on tombe sur une île avec un perso qui vaut cher. Même si c'est un point, ça peut être game changer. Hein. Allez, on croise les doigts, les gars. On va au bout de cette aventure. Allez, c'est le dernier ticket maïs nook, s'il vous plaît, un miracle! On veut Rosie! J'ai trop envie de la voir! Allez, s'il te plaît, Rodrigue. Allez. Pas dit le tarantule. Ça fait des années que ça m'intoxique. Tiens, j'ai l'impression que rien ne s'est passé et qu'on n'a pas bougé. On est sur mon île, les gars, on n'est pas sur une île mystère, hein, imaginez, c'est. Hey, les putains de crabes, nique sa mère, on va pêcher le marlin. Je retourne chez moi et c'est parti, Merlin enchanteur là. C'est trop de la merde, voilà, je le dis. On se casse, plein de cul des crabes, toi tu pues du cul. Il est quelle heure? J'ai tout juste de quoi ramasser des palourdes, faire des appâts, aller sur le ponton et avec un peu de chance, choper un marlin à la dernière seconde. Il me reste 1 minute 30 à peu près. Ça va le faire. Je vais avoir le temps d'utiliser mes 7 appâts. On est parti. Imaginez, c'est lui dès le début, le marlin. Allez, viens, mon grand. Oh, c'est gros. Si c'est le marlin, je pète mon crâne. Let's go, c'est lui. Je vais péter mon crâne. Let's go. Oh wesh, c'est dingue. Attendez. Je me taille. Ils m'ont laissé le sursis, je m'en bats les couilles. Vite. Je pensais même pas que c'était possible, j'y croyais pas. Wesh, abusé sa mère. Les gars, c'est incroyable. 1% de chance, one shot. Et tout ça pour perdre au musée, les gars, parce que Thomas, il aurait eu des espèces en plus par rapport à moi. Let's go. Bah, c'est bon pour moi. Donc au final, c'est tombé pile poil dans les cordes. Du coup, là. Ce que tu voulais? Ouais, mec, j'ai mis un appât, j'ai eu le poisson que je voulais. Improbable, vraiment, j'ai hurlé. Arrête. Je te jure, j'ai hurlé. Un marlin. J'ai fait mes 7 appâts, j'ai posé un appât, gros poisson, j'ai pêché marlin, je suis reparti. Allez, je suis foutu pour les poissons. Non, je pense que poisson insecte, t'as tes chances, hein, Thomas, parce que, genre, typiquement, la plongée, j'ai vraiment. Donc, on rappelle, concours de sap. Ah, t'as fait une petite mise en scène et tout. Derrière ce magnifique parapluie multicolore se cache une création sortie tout droit de ma tête. Voilà le look. Petit short hawaïen en mode détente, quoi. On est sur une île. Bourri à la face, je suis en train de. Non, c'est pas ça. Moi, je rigole, mais pas... mon chat sait pourquoi je rigole. En vrai, j'ai un petit flow, je trouve. C'est mignon, en vrai. Moi, je trouve ça bien. Oh non, t'as pas pareil. Il y a les mêmes fringues. Non. Du coup, petit short hawaïen en rappel avec du coup mon pull un peu matelot. Et pour le haut, vu que j'ai fait beaucoup de nage, beaucoup de pêche, j'ai mis un petit bandeau. Moi, je trouve que le bandeau va très bien avec le haut. Oui, je vous expose un petit peu, moi, de mon côté, quelle a été ma pensée. C'est vraiment la tenue de base. Voilà, il est vrai que c'est la tenue de base. Mais en réalité, c'est parce que je vais mettre ma tenue maintenant. Ok, vas-y. Il est en train de broder, on voit ta tête, wesh. Regardez, en fait, je suis étudiant. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai fait un look étudiant. J'avais déjà mis le sac à dos, il était prêt. Et voilà mon petit look étudiant. Il a juste eu un pull dans un cadre. Non, c'est mon look étudiant, regardez. J'appartiens à une école américaine, j'ai mon petit sac à dos Tom Nook parce que c'est juste mon ref. Ok, en vrai il est chou comme ça, ouais. Mais du coup t'as présenté deux habits différents, quoi. C'était non, pas le premier c'était le truc de base. Là ça c'est ma vraie tenue. Ah, c'était la mise en scène. Bah oui, sinon vous aviez spoil direct. Ok, à toi Arnaud. Au revoir Arnaud. Messieurs dames, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes invités à ma super soirée pyjama kawaii. Wow.
Tu joues sur le kawaii que je fais tout le temps et que toi tu détestes quoi. Bah non, vraiment pas, c'est juste ma tenue quoi, elle est mignonne, c'est tout, c'est mon thème. Allez-y, vous pouvez voter les amis. J'ai plein de messages mastu à tricher, mastu triche, triche mastu. C'est très serré entre deux. Il y en a un, il a pas eu trop de succès. Hein. Merci quand même à tous ceux qui votent pour moi les amis. Sachez que je l'oublierai pas. Merci à ceux qui ont voté pour moi aussi. Franchement là vraiment vous abusez. Bah tu t'adresses à qui? À ceux qui ont voté pour toi. Ouais. Non mais en fait là c'est pas normal d'avoir si peu de votes. Bon bah Mathieu bravo, t'as un point à la surprise générale. Un point qui change rien, ça va dépendre du musée. C'est vrai. Bon, il met un place au musée. On commence par les poissons et les créatures marines. On compte dans notre tête et on annonce le truc après, ok? 10 seconds later. 41. Regardez comment Thomas va me fumer. La fin du tournoi peut-être à l'instant. Est-ce que t'as plus de 30? Oui. Est-ce que t'as plus de 40? Oui. T'as plus de 50? Non. T'as combien Thomas? Est-ce que t'as plus de 45? Non. Thomas a gagné. Ouais, il a gagné. Non, non, j'ai pas plus de 45. J'ai plus de 40 et j'ai pas plus de 45. Ouais, mais je pense que t'as gagné parce que moi j'ai plus de 40, mais c'est à un poil de cul près quoi. Hein. T'as 41? J'ai 41. Ouais, j'ai 41. Oh putain, je suis à 44. Oh bon bah Thomas, GG. Hein. Ah oui, c'est vrai, putain, il y a la mission, j'avais oublié, il fallait qu'on ait des subs. Ouais, là, c'est le moment où tu perds 200 euros. Ah yes, let's go. Ça va tomber là. Fort. Oh, aïe 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 aïe, merci Théo. GG. Bien joué, bien joué. C'était deux de chaque du coup. Ouais, deux de chaque. Ouais, t'as 10 points. Ouais, t'as 10 points. Donc 10 points, moins 3, Arnaud, moins 4. Je vous assure que les boosters, ils auraient pas changé grand chose, les gars. Ils auraient pas changé grand chose. Ouais. À tous les gars. Mais merci. Vas-y, à plus, les gars. Ah, Thomas, il a été très fort. En vrai, j'espère que ça vous a plu. Des bisous et à la prochaine.